solidaire d'abord, alors on est nombreux autour de la table aujourd'hui parce qu'on va parler de plusieurs sujets dont la cantine populaire à Aubenas. Mais avant, je voudrais juste vous dire, vous avez vu en Italie, Mario Draghi a été pressenti pour reformer un gouvernement italien. Et vous savez d'où vient Mario Draghi, hein il a été entre 2002 et 2005, il était... À Goldman Sachs, une, une petite banque anodine qui est juste peut-être celle qui tire les ficelles dans le monde entier à l'heure actuelle. Et donc dans cette Europe où évidemment Mario Draghi était une des personnes les plus importantes, dans cette Europe où Jean-Claude Juncker était il y a pas si longtemps, alors que lui, il a été responsable du gouvernement où on avait comment dire un paradis fiscal. Hein, dans dans cette Europe où on a maintenant Ursula von der Leyen qui est un peu à la botte quand même de Merkel, voilà. et on n'avait pas besoin forcément d'un Mario Draghi qui va à nouveau nous mettre les banquiers en avant et certainement pas se préoccuper de des petites gens. Et donc les petites gens, quand je dis ça, ça n'a absolument rien de moqueur ou quoi que ce soit, c'est plutôt justement essayer de faire société. Avec avec tout le monde, même avec les gens qui n'ont pas des grands revenus et qui ne sont pas des clients des banquiers. Et donc il me semble aujourd'hui qu'avec le sujet que l'on a, c'est-à-dire la cantine populaire, on est justement au cœur de ça. C'est-à-dire euh, euh, il me semble que vous, cantine populaire, puisque vous êtes deux là à venir nous parler de la cantine populaire, euh, la cantine populaire prend justement en compte le fait qu'il y a des gens qui arrivent mal à s'en sortir à l'heure actuelle dans cette société. Alors, à vous la parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la cantine populaire? D'abord il y a un groupe, tout ça, enfin, je vous laisse un peu développer ça, comme vous avez envie. Euh, bonjour, euh, merci de nous recevoir. Euh, la cantine populaire, euh, c'est un projet qui s'est monté il y a trois ans maintenant, avec un groupe au départ d'amis, donc plutôt affinitaire. Et le groupe a évolué petit à petit ensuite. Donc euh, c'est géré par une collégiale. Donc, les décisions sont prises au consensus. Et c'est possible d'y rentrer en s'investissant un peu plus sur la gestion des volets administratifs, financiers, etc. Et ces personnes-là sont des personnes référentes sur les cantines qu'on propose le samedi midi, qui est autour de la, la nourriture à prix libre. Donc, en fait, on confectionne des repas à plusieurs sur inscription depuis le premier confinement. Et voilà, l'idée c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent et de proposer de la nourriture donc saine puisqu'elle est bio et principalement locale euh, autour d'un repas convivial et à prix libre. D'accord. Les, les objectifs, c'est en direction de quelle population Alors justement, c'est un peu le, le principe, euh, un des principes de la cantine, c'est que c'est la comment dire. Euh, une population la plus la plus mix possible quoi c'est-à-dire euh, le but étant de, de la social sociabilité quoi de faire rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer euh, d'habitude voilà alors qui vient alors bon, alors bon. du coup euh, il y a des gens qui viennent alors il y a des gens qui sont dans le, dans le besoin donc qui, euh, qui viennent effectivement parce que euh, parce que du coup, ils n'ont pas les moyens de s'offrir à envoyer un restaurant comme ça, ou qui ont vraiment besoin de, tout simplement de manger. Quoi. Et il y a d'autres gens qui viennent pour, euh, pour du lien social, parce qu'ils ont envie de rencontrer d'autres gens. Donc pour le côté, on va dire, euh, je sais plus plus, enfin, on va dire, euh, convivial tout à fait. Donc autant la convivialité que le besoin. D'accord. C'est une fois par semaine ou c'est plus souvent C'est une fois par semaine, tous les samedis midi. Après, des fois, il y a des, des cantines, euh, on va dire, on appelle ça extérieures ou exceptionnelles, pour euh, s'il y a une rencontre, euh, ou voilà, ça peut être à, à la demande d'une du, association, euh, voilà. Les moyens que vous avez, euh, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire, euh, ben, je ne sais pas, euh, comment vous faites euh, Vous allez récupérer euh, des denrées quelque part Est-ce que le fonctionnement, vous avez une salle, elle est louée, cette salle, je suppose Donc euh, comment vous faites pour payer, enfin voilà, pour fonctionner Comment vous faites le, On a un local depuis deux ans, euh, 11 rue Béranger de la Tour, donc en centre-ville de Bona, qui est loué à un privé. Euh, à 300 euros sans les charges. Les recettes principales, elles sont financées par le prix libre. Donc, euh, aussi, ça fait aussi partie de l'ADN, le prix libre, c'est-à-dire que chacun, chacune donne ce, ce qu'il peut, qui peut donner pour, pour venir manger. Euh, et ensuite, euh, on travaille beaucoup avec euh, les maraîchers et producteurs euh, autour d'Obena. Dans le bassin d'Obena, on va régulièrement faire du glanage dans les champs, donc on est en lien avec eux. Ce qui nous permet d'avoir euh, des denrées à moindre coût. Et par ailleurs, il y a aussi la Biocop qui fait un don mensuel de 70-80 euros par mois. Euh, et donc, on se fournit chez eux tout ce qui est huile et puis tout ce qui est sec euh, pâte, riz, pois chiche, etc. Il ah, y a aussi le fournit des copains qui, chaque semaine, nous, nous offre de, des très bons pains. Ouais. Et, euh, et voilà, qui fournit des copains, ce qui est à Chirol, là oui, tout à fait. À Chirol, ouais, ouais. on récupère ouais. aussi de la biocope euh, de l'Alvade avec laquelle on est en lien, ouais. et voilà. D'accord. Et donc les partenaires, euh, là, vous nous parlez de Biocop, euh, du Fournil, tout ça. Euh, vous avez parlé tout à l'heure, quand on préparait l'émission, de Solène, euh, éventuellement, des choses comme ça, au niveau des partenaires. Alors, euh, je dirais que Solène n'est pas un partenaire à proprement parler. Simplement, euh, pendant le premier confinement, euh, on était donc euh, un petit groupe à être confiné ensemble de la cantine populaire. On s'est dit qu'on voulait faire quelque chose pendant cette période-là. Et en fait en, on a contacté la mairie pour savoir dans quelle mesure c'était possible de relancer une activité. Euh, donc avec un protocole sanitaire sur lequel on s'est accordé donc avec la, pour ce coup-ci, l'institution qui est la mairie, euh, pour euh, réouvrir et là on s'est mis en lien avec des acteurs plus sociaux du type euh, Solène. Euh, pour leur dire qu'en fait, pour des gens qui étaient dans le besoin, puisque ça a fragilisé énormément de gens euh, ces périodes de confinement, ouais. donc euh, non seulement sur la difficulté éventuelle à se nourrir, mais aussi à avoir du lien et du contact. Et c'est à ce moment-là où on s'est mis en lien avec Solène, avec euh, les Restos du Cœur ou euh, au Bon Appartage qui fait la distribution de colis plutôt l'été, et où finalement on a un peu étendu le réseau, on a élargi et où on a vu des gens qu'on ne voyait pas forcément avant et qui aussi sont plus plus dans le besoin, quoi. Donc c'est aussi un, un, c est, c est un gros atout pour nous, parce que ça, ça permet de mélanger des populations et des gens. C'est vraiment l'ADN de, de, de la cantine. Au, au niveau du groupe, vous êtes nombreux à, à, à faire fonctionner euh, cette cantine populaire Nous sommes six, et c'est un fonctionnement de, de collégial. D'accord. Voilà, et on essaie de créer un nouvel organe, un peu. On voudrait que ce soit encore plus horizontal, et permettre à d'autres gens qui voudraient s'intéresser, euh, participer aux, aux différentes décisions de la, de la cantine, de pouvoir, euh, de pouvoir le faire donc pas forcément sans rentrer dans la collégiale mais euh, voilà on est en train de réfléchir à, à ça des nouveaux outils de, de gouvernance et bon aussi parce qu'on en a besoin parce que euh, on va il y a des gens qui vont peut-être partir et que c'est quand même pas mal de travail donc c'est un petit appel aussi d'ailleurs euh, <laughs> j'en profite euh, on fait une réunion Bastien c'est euh, samedi c'est samedi qui vient euh, oui euh, samedi euh, samedi, euh, samedi après midi et donc vous la faites où cette réunion Ça sera après la cantine. C'est il euh, y aura une... ouais voilà il y aura une grosse partie d'informations de... pour tous les gens qui veulent. Euh savoir plus de choses sur la cantine et s'investir aussi. D'accord. Alors on, on, dans les partenaires, quand on a parlé, quand on a commencé à, à discuter tout à l'heure euh, de ce qu'on allait dire, de ce qui allait être dit dans l'émission, vous avez parlé aussi de de, de, de de comment dire de moments ponctuels avec le MRAP ou avec la CNT, hein, si, si j'ai bien compris. Euh, alors en fait, on est sollicité pour des cantines extérieures, comme Pierrot disait tout à l'heure, ce qui est de plus en plus souvent le cas. Euh, sur des événements pour pouvoir venir euh, proposer à manger, donc euh, toujours avec des gens différents qui se sont inscrits le matin. Euh, ce qui fait qu'on est présent sur les manifestations, parfois à la demande de la CNT ou de la CGT. Euh, ça nous est arrivé aussi d'aller dans les locaux de changement de cap oui. euh, pour des événements ponctuels. Euh, et le, le, le MRAP également le, sur le quartier des oliviers aussi on a été en lien depuis le premier confinement avec le café des oliviers oui. qui redistribuait des repas en barquette euh, qu'on n'avait pas pu écouler puisqu'il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui venaient donc quand on discutait tout à l'heure de l'orientation en fait de ce qui vous motivait et tout ça euh, je vous ai dit deux mots euh, charité et solidarité et vous m'avez dit vous m'avez répondu tout de suite que c'était plutôt l'un que l'autre alors, -ce oui, c'est peut... complètement solidarité. D'accord. Solidarité. Pas, pas de charité. Déjà, c'est un repas à prix libre. Voilà, c'est dans une, un, un tronc. <laughs> on met, met l'argent qu'on qu veut. Euh, oui, vraiment. J'aime bien, bien ce mot. C'est le nom de, de l'émission. Solidarité, ouais, c'est une très bonne définition. Ouais. J'ai l'impression que dans la, la charité, il y, a, il y a une espèce de de dépendance et de domination, et la cantine pop, elle est très attachée aux valeurs autogestionnaires, et le but, c'est justement que les gens s'approprient aussi cet espace-là, ce projet, donc s'inscrivent pour pouvoir venir cuisiner, mais euh, on accueille aussi toutes les bonnes volontés, si euh, par exemple des fois le local est mis aussi à disposition à prix libre pour des répétitions musicales, bon à l'époque où il y avait des spectacles pour des spectacles, et l'idée, c'est vraiment que ce soit un lieu qui vive, que les gens puissent s'approprier. Donc on est hyper attaché euh, au fait que ce soit aussi un espace euh, qu'on souhaite antiraciste et antisexiste et que ce soit un espace qui puisse diffuser euh, ces valeurs-là et qui puisse être appropriable par tous et toutes. D'accord. Donc il y, y a aussi des événements euh, culturels entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui peuvent se produire à, à l'intérieur du local, par exemple, dans ce que tu es en train de dire. Hein. C'est arrivé. C'est ouais. arrivé, voilà. Alors, après, euh, sur, sur le côté autogestion, il me semble que ça allait loin dans ce que vous essayez de, de développer tout à l'heure quand on était en train d'envisager de, cette émission, euh, puisque vous parliez du fait qu'à des moments donnés, il y a des gens qui sont des cantiniers occasionnels, hein, qui viennent, euh, euh, des gens qui se déclarent être le cantinier ou faire partie d'un groupe de cantiniers, ceux qui vont faire le repas, quoi, hein, si j'ai bien compris. Et, et tout ça en ayant en même temps euh, une. une euh, le, le, le souci d'être dans des normes hein, euh, ouais tout à fait c'est arrivé notamment euh, pendant la période de confinement et en fait il y a une liste de cantiniers c'est une liste euh, par mail et ils s'inscrivent euh, en sur, sur un tableau euh, en direct et, euh, et c ça marche vraiment bien c'est-à-dire qu'on a des cantiniers toutes les semaines et c'est quasiment en autonomie nous on s'arrange toujours pour qu'il y ait l'un de nous de la collégiale qui soit là et voir pas forcément hein, pour pour on veut dire superfiser hein, enfin savoir si tout va bien, quoi. Mais euh, on se rapproche quand même de plus en plus de, de l'autogestion, quand même, parce que c'est ouais. euh, pas nous, de la Cogial, qui faisons à manger. Ce sont des cantiniers bénévoles Ouais. Et, euh, et ça marche, ça marche très bien. Après, nous sommes derrière dans un but on va dire un peu sanitaire, euh, HSACP, s'assurer que tout va bien. On a un protocole, on a des petites affiches euh, partout pour, euh, qui expliquent. Euh, et, et toi tu es professionnel aussi, hein Oui, tout à fait. Disais, ouais. Pierrot, hein. euh, et puis bah, je, je suis arrivé je, en dernier et j'ai pu voilà, constater juste que c'était euh, nickel. Et donc euh, pour participer en fait c'est hyper simple il suffit de venir euh, voir comment ça se passe un samedi midi pour pouvoir partager un repas et manger demander à être inscrit sur la liste mail par laquelle circulent les informations pour l'organisation des cantines le samedi et donc on a mis un tableau d'inscription en place depuis le premier confinement pour pas être trop nombreux nombreuses dans le dans le local donc ça ça faisait partie du, du premier protocole qu'on qu a écrit. D'accord. Donc, en fait, vous êtes, vous êtes complètement acteur, partie prenante de, de, de cette vie. Euh, euh, voilà, on, on fait société, on vit ensemble, euh, et on peut le faire dans un quartier euh, centre-ville d'Aubona qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, a, a quand même une certaine population qui n'est pas forcément très riche. Exactement, et puis bon, le centre-ville de on a pris un sacré coup avec les confinements successifs, et c'est un des enjeux aussi, c'est de pouvoir, euh, pouvoir continuer à faire vivre, faire vivre le centre-ville. Ouais, ouais, moi c'est vrai que pour moi, la cantine populaire, à l'origine, je voyais beaucoup de la, la convivialité derrière tout ça, et je venais pour ça, et quand j'ai fait mes premières cantines, pendant le confinement, j'ai vu, euh, vu des gens qui étaient vraiment, vraiment dans le besoin. Et c'est ce qui m'a donné. Euh, j'ai réalisé qu'il y avait un autre rôle de la, de la cantine et qui m'a donné envie de, de l'intégrer. Et euh, je pense que oui, il y a des gens qui viennent. Euh, c'est important pour eux. Au-delà de la, la convivialité, c'est euh, de plus en plus. Dans, dans l'idéal, on va vers une... dans, dans nos têtes, c'est pour aller vers une émancipation collective. Donc, c'est important oui. que ce soit des espaces où les gens différents puissent se rencontrer. Et s'approprier là, en l'occurrence, les outils de cuisine, proposer des recettes, de prendre une référence un samedi parce qu'une personne a fait plusieurs cantines et commence à savoir comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, nous, on n'a même plus besoin d'être là, en fait. Une fois qu'on a transmis les informations, c'est un, un peu ça l'idéal. Oui, ouais, d'accord. Tu, tu vas aller jusqu'au bout de ce concept d'autogestion, quoi. C'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Faire que les gens, à un moment donné, aient les clés, quoi. Exactement. Ça. Super! Super. Alors euh, bon, euh, euh, est-ce que vous avez un petit truc à rajouter parce qu'après nous on a un autre sujet avec Marie-Claude qui va nous développer plein de choses. Euh, non, c'est bon. Bah simplement si vous êtes curieux curieuse, euh, ben bah, voilà on vous invite à venir manger déjà un samedi midi pour une première prise de contact. Voilà. Centre-ville d'Aubona, euh, une des toutes petites rues qui descend du château. Hein c'est ouais. ça. Voilà. Bon alors Marie-Claude, tu as, as préparé un gros gros sujet qui, qui a complètement à voir avec justement des gens qui, euh, qui ont peut-être de petits moyens ou des gens qui en ont des gros par contre. Oui j'ai été... Euh, en fait euh, je suis euh, un peu sidérée de, de la situation actuelle hein. euh, là. Je, je lisais le 26e rapport, enfin je lisais, j'ai lu certaines choses sur le 26e rapport de, sur l'état du mal-logement de la fondation l'abbé Pierre. Et les chiffres sont alarmants en fait. 4,1 millions de Français sont mal logés. 300 000 personnes, hommes, femmes, enfants, sont sans domicile. Depuis 1984, l'effort public n'a jamais été aussi faible. Depuis le début de la crise sanitaire, 20% des jeunes de 18 à 24 ans ont eu recours à l'aide alimentaire. 35% d'entre eux ont peur de ne pouvoir faire face à leurs dépenses de logement en 2021. Un pauvre sur deux... À moins de 30 ans. Enfin bon, je vais arrêter là parce que les chiffres sont vraiment abominables. — Juste un instant. C'est pas Macron qui nous disait qu'il mettrait la focale sur les jeunes quand oui, il a été élu ?— Oui. Je vais te dire même la date parce que je l'avais ah, noté, moi. Ah. Le 27 juillet 2017, la première bataille, c'est de loger tout le monde dignement, a-t-il dit. Ah, N'est-ce pas euh, C'est encore une parole en l'air. Euh, le rapport de, de la Fondation l'abbé Pierre est bien accablant, en tout cas. Mais pendant que chaque nuit de nombreuses personnes restent à la rue, faute de places d'hébergement d'urgence en quantité suffisante, pendant que des étudiants sont dans des files d'attente interminables pour essayer d'avoir un peu d'aide alimentaire, pendant que l'on demande aux Français de faire toujours plus d'efforts vu la crise sanitaire, les députés, eux, voient leur dotation matérielle annuelle augmenter sans même l'avoir demandé. D'un côté, j'entends 4 milliards d'euros d'économie sur les APL qui sont attendus en 2021. Et de l'autre côté, je lis un article sur Sanofi qui, malgré la crise sanitaire, a versé 4 milliards d'euros à ses actionnaires, même si on ne devrait pas... Je, moi, je ne je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec tout ça, quoi. — D'accord. Et, et donc... Euh, alors la recherche sanofi théoriquement était le laboratoire de recherche par excellence en france. Quand même. oui. Ouais. mais cette recherche, elle a, elle a petit à petit déshabillé. elle a été déshabillée. Enfin, c'est-à-dire qu'on a de ben... moins en moins de chercheurs. la preuve en est qu'on n'a même pas de vaccin. Et euh, français. Hein, et, et en même temps, on continue à filer du fric. Hein, il y a bien sûr des subventions et tout. Oui. Et donc, ce fric, il va directement des caisses de l'État aux actionnaires, en fait. On pourrait se poser la question. Oui, hein. euh, il a foiré toute sa recherche sur le vaccin, en fait. Ouais. Euh, mais euh, il a quand même sabré 45% en 12 ans. Il a fait, il a fait des plus de, 200, de 364 postes qui ont été supprimés. Chez Sanofi Ouais, de chercheurs. Ouais. Donc euh, on comprend pourquoi le vaccin euh, enfin bon, on l'a pas trouvé hein, enfin. <laughs> enfin bon, et tout en ayant euh, touché un milliard et demi de crédits euh, il a fait euh, il a enfin c'est des crédits d'impôt sur la qu'il a qu'il a eu en, pendant 10 ans sur sa recherche. Ouais. Et ouais. il a il a eu quand même des bénéfices puisqu'ils ils ont augmenté de leurs bénéfices les actionnaires et de 340 que ah oui, d'accord. Donc euh, voilà, quoi. C'est impressionnant, je trouve. Alors, tes, tes comparatifs, il euh, y avait encore une, une suite avec les députés euh... Oui, alors les députés, alors eux, euh, sans même le demander, on leur a, on leur a augmenté la dotation matérielle, de, 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 enfin, donc, euh, qui leur permet euh, c'est euh, la téléphonie, les taxis, la, la, les, les frais d'affranchissement. Et cette, cette, cette taxe, enfin cette, cette dotation va passer de 18 950 euros à 21 700 euros par an et par député. Euh, je trouve que c'est quand même assez conséquent, mais surtout que quand on sait qu'en octobre 19, ils avaient augmenté aussi, enfin il y avait des casteurs qui, étaient, qui, qui, qui avaient étudié le, le, le truc et qui avaient augmenté la dotation d'hébergement mensuel. Euh, et donc ils étaient passés de 900 euros à 1200 euros. D'accord. Voilà. Et euh, donc ça avait déjà suscité la polémique. Et un an et demi après, ils recommencent. Mmh. Ils récidivent. Et, euh, et euh, du coup, ils augmentent la, de 15% la dotation matérielle des députés. Donc euh, je trouve que c'est... Enfin, quand on, on, quand on met les, les, les deux sujets en, en, en mmh. parallèle, je donc, trouve ouais. que c'est un peu euh, abominable quand même. Ouais. Euh, — Oui. Et donc, alors c'est vrai qu'on pourrait... En même temps, c'était bien que tu fasses cette petite saillie sur la santé aussi, puisque euh, s'il y a des gens qui ne le savent pas, euh, le gouvernement continue à fermer des lits. Hein. On continue à fermer oui, des lits oui. en France oui, malgré la crise sanitaire, etc. Il y a plein, plein d'hôpitaux qui se retrouvent soit avec des financements en moins, soit avec carrément des fermetures de lits, etc. — Oui, euh, oui. — Voilà. En Mais fait, en fait, ils font aussi, et puis en même temps, le en même temps, hein, oui. ils font aussi. Donc, il y, a, il y a un plan de relance qui le gouvernement consacre 20 milliards d'euros sans aucune contrepartie à des entreprises qui licencient à tour de bras et qui gavent de milliards les actionnaires. Enfin, moi, moi je trouve, enfin, moi, c est, c est, c est, c est, je trouve, c'est une, une indifférence en, dans le contexte économique actuel. Euh, pff, qui, est, qui est si difficile, qui, qui est incroyable, quand même. Ce que je trouve de, quand même, euh, très, très curieux aussi, c'est qu'on on a l'impression qu'il n'y a pas. Euh, y a presque personne qui rue dans les brancards de façon officielle. C'est-à-dire, on entend très très peu de, de voix qui s'élèvent contre ouais. ces procédures-là. C'est sûr, et puis euh, bon, il y a, a d'autres exemples, hein. enfin, on pourrait continuer longtemps. Il hein. euh, y a Openlux aussi, tu as entendu parler d'Openlux. Donc, c'est 15 000 Français au Luxembourg qui ont planqué quand même 100 milliards d'euros. <laughs> on peut le dire comme ça, quoi. Oui, mais là, là il y avait Juncker euh, à, <laughs> au Luxembourg, tu vois bien, tout à l'heure. J'en parlais en disant, ben bah, voilà, C'est quand même lui qui, à un moment donné, était à la tête de l'Europe. Personne n'a rien dit. Hein Alors que le, le Luxembourg était le paradis fiscal européen. Ben non, on met à la tête, le, le, le mec était responsable de ça, quoi. Ben euh, oui. et ça. Ça gêne pas. Et on continue à dire, vive l'Europe Oui. Tous ensemble. Voilà. Allez voilà. oui, C'est hein. ça. Alors, moi, j'ai un petit truc à dire, si tu as, si tu as fini. Vas-y, vas-y. Euh, euh, ben oui, euh, la, la police... Euh, a empêché les journalistes le 6 euh, janvier euh, de s'approcher parce il euh, y a eu un saccage d'un camp de réfugiés à Grande-Sainte. Vous avez tous entendu plus ou moins parler de ça, je pense. Hein. Donc il y avait une société de nettoyage qui était payée par la préfecture. Pour nettoyer un camp de gens qui, voilà, qui étaient migrants. Et donc, la, la police était là pour assurer la sécurité, non pas des migrants, non pas des journalistes, mais euh, du service de nettoyage en question, payé par la préfecture. Et donc, le ministère de l'Intérieur a communiqué là-dessus en disant que, euh, ben bah oui, la police était là pour euh, assurer des mesures d'éloignement des journalistes pour qu'on facilite l'exécution matérielle de ce nettoyage qui était fait par, euh, voilà, par cette société. Parce que bon, les forces de l'ordre étaient là pour assurer le respect de la dignité due aux personnes évacuées. Ah, excusez du peu quand même. Donc, euh, les, euh, la, les forces de l'ordre étaient là pour, et, pour assurer la dignité des personnes évacuées. Mais alors... Pendant ce temps-là, donc, on lacérait leurs tentes avec des couteaux, on mettait à la benne euh, tous leurs tapis, leurs vêtements, euh, leur couchage, on, on, on jetait leur nourriture. Mais tout ça, c'était pour assurer leur dignité. Mais on, on marche sur la tête, non En France, il oui, y, y a un truc qui, qui va plus du tout là. Complètement, c'est sûr. Donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a encore des choses à rajouter à cette émission de solidaire d'abord oui. hum... Bah, — Oui. J'oubliais quelque oui, chose. — Oui. La manif. — La manif du 27. Alors on a une manif le 27 février. Et donc euh, euh, quelqu'un qui a, qui a l'oreille de... Euh, on va dire des gens qui sont informés nous a dit tout à l'heure que c'était une manif sur la sécurité globale et que cette manif se commencerait à l'Agora à 10 h. Voilà, le 27 février. Voilà. on a une Et il y, y aurait des prises de parole peut-être l'après-midi. et enfin bon, voilà. euh, Donc c'est toute l'après-midi. En fait, en fait c'est toute la journée. Toute quoi, la journée, ce hein. serait, ouais. Voilà. Et il y tout, a tout ça. Des animations musicales également. Et il y aura euh, un repas de euh, proposé par la cantine populaire à prix libre également. Super. Voilà. Et encore une fois, face à ce monde qui se délite, euh, notre envie, c'est de recréer du commun et de faire en sorte que les gens communiquent et d'être ensemble. Euh, dans la rue ou ailleurs. Super. Merci beaucoup. On s'arrête pour aujourd'hui. Ce solidaire d'abord, on a fini. Je vois le chef qui me fait signe. Oui, oui. À bientôt. Bon à courage. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.